Bonjour YouTube, oui, bonjour, c'est reparti, défi relevé. Alors on parlait de faire, voilà, on est en plein hiver hein, dans le jeu et on parlait... L'ordre avant tout, oui, on parlait de faire une raclette en plein été sur la plage. Déjà fait en vrai. Ils sont pas normales. Ils sont pas normales ici. C'est pas normal. Ça coûte 10 bois. L'espoir augmentera. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce que je voudrais bien, c'est... Oh, ils ont pas froid, non. Ce que je voudrais bien... Maison froide. Ça, je m'en doutais un peu. On pourrait faire augmenter, mais ce qu'on veut, c'est le mécontentement, et bah ça va être la bouffe. Hein. La bouffe, la bouffe, la bouffe. Comment ça, vous êtes en attente? Depuis quand? Depuis où? Vous êtes bien en direction de ce genre de... d'enfer perpétuel. Bonsoir, Bob Ricard. Oui, feignant, ça se discute, ça se dispute. Avec Marion Gennardi, non c'était pas ça. Quoi? Ah, il est dysfonctionnel parce que on était en recherche de dysfonctionnement. Et il nous faut les ressources. Complètement, tout le temps, les ressources. Oui, bonjour! Oui. Oui. Et pour ça, il faudrait que vous puissiez faire de la recherche. Bande de glands. Voilà. Très gentil de m'ouvrir l'arbre des talents, hein. Et bande de glands, si vous pouviez... Oui, bonjour. Les hommes avec l'idée ont perturbé l'ordre. Ils se poussaient les uns les autres et hurlaient des insultes. Et s'en sont pris à des femmes dans la rue. Nos gardes sont intervenus, ont arrêté ces hommes. Oh, les punir. Oh, les punir. Oui, pas de soucis. Des bisous à Mitsu. Y a pas de problème. Ah. Alors, outre le côté, le mécontentement, mais c'est marqué légèrement, c'est surtout... les punir. Une petite punition. Bon, en vrai, allez, on va tolérer. Tout le monde a été bourré dans la rue et a insulté son voisin de sac à merde et lui a craché dessus. Oui, oui, tout le monde l'a fait au moins une fois. Si vous l'avez jamais fait, faites-le, ça soulage. Ah, de la bouffe! Combien ils ont, eux? Oui, merci. Vous avez 200 de bouffe. Vous pourriez faire un petit aller-retour juste... ouais. Juste parce que j'ai envie. Et une fois qu'on aura plus besoin de charbon, paf! Into bouffe. Tout va bien. Chaque fourchette de cette raclette est un pur délice. Salaud! Salaud! Ce mot que je te faxe, je veux qu'il te fasse mal. Et pourquoi? Non mais la cantine, vous inquiétez pas, je peux mettre des personnes à la cantine, c'est pas le souci. Moi ce que je veux c'est qu'il fasse chaud, et que le temps avance, et que le temps passe, et que beaucoup de choses ont changé. Tu aurais pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. En fait, faut que la recherche, voilà. Faut que la recherche progresse. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Faut que ça le fasse, je suis en place. Ah, où ça? Où ça? Sous quel décombre? Mais ça me le signalait pas d'habitude? En fait, là, j'ai pas de malade et j'ai pas envie d'en avoir plus. On va avancer doucement.
pizza maison, excellent choix. Pour ma part, je n'achèterai plus les pizzas industrielles, c'est vraiment de la daube. Ouais, mais ça on sait. Ça on sait que c'est vide. Formidable, merci, bonjour. Voilà. Formidable, c'est bon, ils sont contents. On va lancer la réparation de leur réacteur, mais pour l'instant tout va bien. Bon, en vrai, est-ce qu'il serait pas, voilà, est-ce qu'il serait pas temps de continuer ce plan d'urbanisme ? Entrepris il y a moult temps, avec moult argent. Dégagez les pauvres. Merci. Merci d'être revenu à la maison avec de la bouffe. C'était très important. En charbon, on est bien, mais tant que j'ai pas envoyé le charbon au Dreadnought, je tiens à garder le... Bon, et pourquoi je détruis avant de reconstruire? C'est pour pouvoir coller un petit peu la maison. Et ce qu'on veut, c'est ici, nous. Hein. Oh, oui. Oh oui, par ici, mon troubadour. Là, c'est bien. Par exemple, là. Là aussi. Là, on est bien. Oh, on est bien. Mais c'est chaud ou pas? Parce que là aussi, on est pas mal. Pourquoi j'ai pas construit là? Pourquoi j'ai pas construit là? Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi j'ai pas construit? Ah, et c'est cette... Ah! Et là, on est d'accord que ça compte pas? En vrai, là ils sont bien. Hein. Là ils sont bien, ils sont dans la zone, ils sont chauffés. Ouais. Ouais. Hein. En vrai, ouais. Non mais les arbres gelés, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les... Hein? Sans deck. Pourquoi j'ai pas construit là? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Bonjour Jennifer. Pas de multicalité? Comment ça j'ai relancé 6 fois pour avoir le multicalité? Logiquement il y a. Non mais j'ai relancé 6 fois le stream pour l'avoir. Et logiquement je me suis arrêté quand il y avait. Oh non mais c'est quoi cette arnaque? Changez de navigateur, achetez-vous la fibre. Voilà, prostituez-vous auprès de votre mairie pour qu'ils fassent des choses, quoi. Moi, voilà, je peux pas tout faire pour vous aussi, hein. Merde. Bon, est-ce que c'est un bon plan de construire ça ici? Parce que finalement, toute mon activité est par là. Les combats, les machins, les crayons, les stylos, c'est par ici, quoi. Oh, glacial, c'est dommage, hein. À 6 francs près, hein. Si c'était pas glacial, on pourrait faire des trucs. Je peux pas déplacer une petite maison, là. Ah si. Je suis sûr qu'en démolissant ça... J'ai presque envie d'envoyer les enfants. Allez les enfants, vous allez me finir ça. Allez, j'ai confiance en vous les enfants. Il fait froid, mais j'ai confiance en vous. Je regarde en source, ça me va. Oui. Qualité, au moins jusqu'à mardi, après mardi prochain, je m'en fous. Bien. C'est parfait. Les gens améliorent leur connexion internet, c'est encore faisable. C'est incroyable, c'est beau. C'est beau, c'est beau la vie. Brouillez-vous les enfants. Et tombez pas malade, me faites pas ça. Et la cantine. Voilà, regardez, paf, on réouvre la cantine. Et comme disait, c'était qui? C'était Carlos, non? Je préfère manger à la cantine avec mes copains et mes copines. Pourquoi? Mais finalement, ça passe. Le 50 degrés, ça passe. Ah, formidable. «
Ah, je peux pas le mettre dans plus de. Mais qu'est-ce que t'as, doudou didon? Ah, doudou à ma doudou à don. Et pourquoi j'ai pas les technos qui sont derrière? Raclure de bidet. Dans mon jardin, ils sont décidés à les brancher. Alors ça c'est incroyable. Hein. Je sais pas comment ils se démerdent avec la fibre. Oh, c'est cher pour ce que c'est. Non, c'est cher pour ce que c'est. Tant pis pour l'isolation des maisons. Ça, on a abandonné l'idée. Non, on est bien. Non, non, il faut... Tant pis, hein, les ingés, faites autre chose. On verra après. Finissez ça. Allez, les enfants, allez! Faites votre papa adoptif heureux. Vous êtes tous mes enfants. Voilà, j'ai 171 enfants. Avec 170 femmes différentes. Oui, on a une qui est des jumeaux. Hein. Statistiquement, j'ai pas eu le choix. Adoptif, hein. C'est pas les miens, mais c'est les miens. Enfin, je les ai conçus, mais c'est pas les miens. Alors, c'est très technique. Mais je vous apprendrai, en fait. C'est comment... Non, je vais pas finir cette explication parce que ça va devenir dégueulasse. Ça l'était déjà pas mal. Ah, et là, regardez. C'est formidable. On va détruire cette route. Qui, de toute façon, ne gêne personne. Eh oui, eh oui. Et là, paf! Petite maison. La maison du bonheur, la maison du plaisir. Et il te faut quand même une petite allée. Allez. Hop, on démantèle ça. On démantèle ça. C'est un dortoir, madame. Là, il y a encore du monde. On va les faire se déplacer, hein. C'est la grande migration. Et là, du coup, il faut que ça soit construit pour avoir les... Cherche les dernières lignes de... Ça? Non, mais non, je vais pas chercher le dernier niveau. Le dernier niveau me sert à rien. Comment ça, tu as pris du fromage suisse, pas français? Désolation des bâtiments, mais non. Les dernières lignes de recherche. Mais non, mais en fait, ce que je veux, c'est ne pas lancer une recherche pour pouvoir lancer directement celle-ci. Parce que je sais qu'il va y en avoir derrière. Donc c'est pour ça, tant pis. Effectivement, c'est un petit peu de perte de recherche, mais... Alors les installateurs de câbles, de fibres, hein, pardon, parfois on se demande vraiment comment c'est décidé ou... Oui, bah hier vous l'aviez pas, mais aujourd'hui c'est bon, vous pouvez. Quoi? Pourquoi? Oh, c'est comme ça, la mairie a dit oui. Oh, c'est un dortoir de ces morts. J'ai vraiment envie de le détruire pour gagner les quelques places nulles d'avance. Ok. Ok, je vais tout détruire. Je vais tout casser. Si vous touchez aux fruits. Non, faut que j'arrête de chanter surtout. Ça pourrait être pas mal. Vous avez fini? Dépêchez-vous. Avant que. Non. 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 Bon, j'aurais pas pu lancer une recherche, mais. Finissez avant, s'il vous plaît. Faites des trucs. Je veux pas comprendre. Je pour moi... bon, et au pire. Regardez. Youp! Youp! Y a pas de recherche de lancer. Formidable! Allez les ingés! Au taf! Au boulot! Comment ça j'en ai que 30? Sont où les autres? Ah, c'est vrai, ils s'occupent peut-être des malades. Bah là, regardez, y a personne. Paf! Paf, pastèque! Oh, y a pas de patient! Y a pas de malade! Oh, y a pas de patient!
Faut être patient. Pif! Et 15 de plus! Qu'est-ce que vous voulez? Allez! Ah, faut valider la quête en cours. Tout. Oui, oui, c'est. Il faut cliquer sur les ingés, oui, oui, pour les laisser en surbrillant. Tout à fait, mais là, ils sont à la propagande, c'est important. Ce qui est dommage, c'est que ça ne reste pas. J'en ai 5 chez les. Pas de malade? Voilà, formidable. J'aime quand personne n'est malade. Paf, ça met quoi? 17h! Alors! Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Attendez, on va regarder un peu les malades. Paf. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, mais il n'y a jamais personne qui y répond. Mais il n'y a plus personne qui est malade. Société parfaite. Bon, je vais quand même laisser. Allez, 55. Gonna die. Il va exploser. Faut surtout pas les taper sur le bidon parce que. C'est dans quel film ça? C'est pas dans. Bon, il y a dans. Rappelez-moi. C'est pas dans Seven aussi? Non, si. Oh, je sais pas, je sais plus, je suis perdu. Ok. Oh, regardez. Ah. Ah non, attendez. Est-ce qu'on se ferait pas une petite tour du plaisir? Ou alors on déplace cette tour de. Oh. Attendez. Ah non, quoi qu'il arrive, c'est nul. Ah, oh, c'est. Ah, il y a peut-être moyen de construire une petite tour de garde là. Hein, petite tour de garde. 0%. Non, mais on aimait bien, nous. Et hop. On finit le cercle intérieur. Voilà, c'est la maison des VIP. La chaleur. La chaleur, hein, pour. Voilà, l'acier. On n'avait pas construit des trucs d'acier ici? Ah si, c'est l'automate qui tourne en permanence. Et ça, ça serait intelligent aussi d'aller l'exploiter. Mais on va attendre que ça augmente, histoire de ne pas les faire mourir. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah non, c'est mon rêve après avoir vu ce jeu. Quoi? Qu'est-ce que quoi? Ah, formation géniale, il n'y a rien. Continuez. Il nous faut des noyaux. Des noyaux. Il nous faut des noyaux. Et on va commencer à repeupler. La bouffe. La bouffe, ça passe. En vrai, est-ce qu'il serait pas temps de réouvrir, d'envoyer les enfants foutre du charbon? C'est où ça? Il y a une tente ici! Ah bon? Je sais pas depuis quand. Faut vraiment être con pour s'être installé là-bas. Bon, ici en vrai, il y a le station de combat, etc. Donc on en parle après. Je vois. Je change souvent aux Dreadnoughts. Je les vois dans mes rêves. On le fait des choses sensuelles et sexuelles, hein, les Dreadnoughts. Qui nous a mené ici, notamment blablabla. Bla bla. Nous connaissons déjà le scénario. Donc, oui. Après ces rêves humides avec les Dreadnoughts, ça reste personnel. C'est que les maisons du bout? Ou c'est que les maisons nulles ici? Par exemple, ici. Voilà, formidable. Ça, on n'est pas d'accord ici. Expropriez-vous. On a quoi là? Expropriez-vous. Barrez-vous. Parce que si vous vous barrez, en vrai, je peux détruire. Je vais pouvoir détruire ça. Donc barrez-vous. Faut que j'arrête de construire des putains de maisons!
Parce que ça me prend des ressources qui vont m'être nécessaires par la suite. Voilà pourquoi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein ? On va attendre qu'elle soit terminée et on va tout détruire. Je vais tout casser si vous touchez. V. V pour maison. Logique. Ah non, pardon, c'est V pour habitation. Oui, pardon. J'ai confondu les deux boutons. V pour habitation. Ouais. Bon, vous bossez un peu ? 4 heures, ok. Pourquoi est-ce que je veux détruire les... pour que ça consomme moins d'énergie, que tout soit centralisé par là, et que ça soit bien beau, propre, nickel. Et pour des notions de symétrie. La symétrie. La symétrie de Symmetra. Et pourquoi j'ai construit mon usine là-bas comme un débilos? Je ne sais pas. Pas dramatique. Ils auront froid. C'est bon ? C'est bon, les maisons sont construites. Ok, ici on a le bois. Barrez-vous, voilà. Vous irez ailleurs. Voilà, comme ça ce terrain est libre. Formidable. Il n'y a que, à la rigueur, ces dortoirs ici qui sont à bouger. Et aussi pour envoyer la populace vers des coins où je les maîtrise. C'est-à-dire vers mes tours, mes speakers. Voilà, vous voyez, mécontentement est à zéro, l'espoir est à max. On pourrait peut-être même faire une... Regardez. Il y a que deux patients en convalescence. Ils sont convalescents. Voilà, formidable. On envoie leurs potes ici. Formidable. Paf. C'est le plein emploi. Alors, monsieur le président de la République française, laissez-moi les rênes de ce pays. Regardez, une société de 500 personnes, avec zéro chômage, enfin si, 200 personnes qui ne font rien, mais ils ne s'en plaignent pas. Laissez-moi. Voilà comment on dirige un peuple, par le froid et la peur. Ça y est, il y a des malades. J'aurais jamais dû couper cette infirmerie, mais vous inquiétez pas, regardez. Allez! Merci! Ah oui, c'est vrai que Nidiver est condamné! Le générateur est à l'arrêt! Agrégou! Il enlève les ingés de la maison 3, passe, enfin, voilà, exactement! Alors, nous devons évacuer. Ah, on peut mentir, attendez. L'ingénieur en chef prétend qu'il reste un espoir, le dreadnought restant que nous devons démanteler. Si nous le réparons, nous pourrons quitter Nidiver et chercher un endroit où vivre. Les habitants sont toutefois sceptiques. Où irons-nous? Il n'y a rien que de la neige et de la glace à perte de vue. Vous n'en avez aucune idée, mais la population vous croira. L'espoir augmentera grandement. Je ne sais pas où aller, mais nous devons essayer. Alors, quel est l'intérêt de ne pas mentir? Parce que, quitte à être politicien, l'espoir augmentera grandement. Au revoir à ton espoir, mais pas du tout. Allez! Allez! Bah, il est où mon espoir? Bah, il est là mon espoir! Alors? C'est qui? Qu'est-ce que c'est? Centre d'évacuation, oui, formidable. Regardez, j'engage directement les travaux. Oui, vous êtes content, hein? Alors du coup, voilà. Paf. Paf. Et que... C'est quoi ce bouton? Que... C'est crochet? Comme le capitaine? Pas du tout. Quel est ce bouton?
J'aurais pas besoin de faire ce choix la prochaine fois, je vais pouvoir voir l'effondrement d'une ville sans me faire chier à la montée. Ah, ils vont découvrir que je suis un mytho. Ah, ah, j'aurais peut-être dû sauvegarder à fond. Papa, tu triches, oui, mais j'ai le droit. Ah, ah, je n'ai plus d'acier. Ah là là, Artoon, je n'ai plus d'acier. C'est putacier, je n'ai plus d'acier. Maison de soins. Maison de soins, mais il a mieux. Voilà. Soigner les malades. C'est quoi ça? Poste de collecte. Il n'y avait pas d'autres maisons de soins? Mais ici, elle n'est pas chauffée ici. Allez. Ah! Ah, ils vont découvrir que je suis un vil menteur. Mais en fait, je vais leur répondre, mais comme tous les politiciens. On peut dire que la sauvegarde, c'est un peu le remaniement ministériel. Exactement. Ouais, écoutez, on oublie tout, on recommence. Voilà, il n'y a pas de problème, ils sont contents. Non, mais regardez, tout va aller bien avec ça. Avec, pardon, ça, la chaleur. Jusqu'au bout, Art de rue. Mais il n'y a personne qui bosse. Ah si, il y a les enfants qui bossent là. Formidable. Bravo les enfants, bravo. Vous êtes très forts les enfants. Bravo. C'est vrai que je ne suis pas obligé de le détruire. Je peux juste me contenter de le fermer. Oui, bonjour. Après, vous avez deux solutions. Soit vous enfermez dans votre mensonge. Soit... Oui, oui. Oh, vous inquiétez pas. Oh, oh. Oh oui. Oui, bah quand on aura de l'acier, oui, oui. Bravo. La chaleur, s'il vous plaît. La chaleur, on récolte tout. Oh, regardez, tchou-tchou! Tchou-tchou! Ah oui, c'est un tchou-tchou. Hein. Un dreadnought, c'est un tchou-tchou. Hein. Pour moi, c'est un train. Rappelle-moi que tu voulais faire aucune recherche. Oui, parce que j'étais en manque de ressources. C'est pour ça. Hein? Ah! Attendez, voilà, formidable. J'avais pas vu. Non, mais c'est les lois aussi. Elles y mettent pas du leurre. Du lore. Non, mais je vais avoir de l'acier, vous inquiétez pas. Regardez. La chaleur. Voilà. Comme ça, les enfants, ils auront plus froid. Ils vont enfin pouvoir retourner choper des ressources. On va privilégier l'acier, hein, quand même. Voilà. Voilà, c'est bien, les enfants. Bah oui. Bah oui. Là, juste parce qu'il reste 5 de bois. Hein. Bah oui, les enfants, c'est bien. Vous mettez pas trop des shards. Hein. C'est tout ce que je demande. Parce que je suis pas sûr de vous soigner. Attendez, hein, j'arrive, hein, je suis juste en train de fermer tout, mais... Allez. 7. On a fait le tour? Vraiment? Ok, ok. Bon, bah les prochains qui seront libres... Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'ai déjà essayé la raclette par la poste, c'est pas une bonne idée. Ai-je lu ce que j'ai lu? Allez, vite! L'acier, regardez. Allez bosser, voilà, formidable! Oui, en plus ils arrivent pile, c'est synchro. Hein. Un noyau de l'acier, exactement ce qu'il me fallait. Il y a plus loin, il y a plus loin. C'est parti. Et pourquoi vous refusez de construire? Pourquoi ils refusent?
Je ne sais pas. Pourquoi il y a encore de malades? Ah. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, il y a trop de... Oui, d'accord. Oui, non, mais vous inquiétez pas, ils vont travailler un peu. Comment ça, 20% d'espoir en moins? Pourquoi? Pourquoi ce bâtiment est désactivé? C'est dégueulasse ça, madame! Bah ouais! Alors? Non mais, comment ça l'espoir est pouette? Popolette. Bon, ça coûte 10 de bois, c'est bon, on peut... Petite propagande, allez! C'est vrai que j'ai mis tellement en pause. Pourquoi? Pourquoi ça construit pas? Pourquoi vous êtes des merdes? Alors maintenant, ce qui est chiant... Oui, bonjour! Oui, allez-y, expliquez-moi. Ok, donc faut trouver 25 ingénieurs. Bon, on sait qu'il va faire froid. Est-ce qu'on pourrait pas aller chercher nos petits ingénieurs? Ouais, mais après mes expéditions sont à l'autre bout. Le pub. On va en laisser. Ouais, je devrais plus beaucoup plus utiliser les... Voilà, ça. Bon, ça, il est fermé à l'instant. Ça, il y a du monde. Eh, vous pouvez pas mieux vous répartir sans deck? Bon, ça, c'est l'infirmerie. On va peut-être les laisser. Non, mais sérieux, voilà. 5 ingénieurs impatients. Est-ce que vous foutriez pas un petit peu de ma gueule? Hein? Sans rire. Bon, on en a 10. Est-ce que je récupère les 15 dans l'atelier de recherche? Bah si quoi au final, oui. Ah attendez, je peux aussi en récupérer, je crois c'est 5 ici. Ouais. Ouais. Bon, c'est les volontaires désignés d'office. Hein. Toujours les meilleurs. Voilà, paf. Vous êtes les 25 élus. C'est Darty Moukiki. Les 25 élus. Les élus d'office. Volontaires. Les élus volontaires d'office. Ils sont partis avec le tchou-tchou. Oui. Merci. C'est la carte. Oui, je la connais, ça va. Merci. Merci à vous. Formidable. Du coup, on n'a plus qu'à mettre pause. Et à dire pause à YouTube. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour... voir si les gens vont voir qu'on leur a menti. En même temps, on leur dit la vérité, ils sont moins efficaces, on leur ment, ils vont pas être contents. Alors on fait quoi? Non mais... Pourquoi je les comprends toutes? Parce que tu es vieux, Bob. Va te servir un petit ricard. Allez, des bisous YouTube, à la prochaine. Oui.